Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Foxy Vachy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va faire du Fall Guys sur Minecraft pour tenter de faire le top 1. Alors on va y aller tout de suite. Voilà, on est dans le lobby. Hey, toi qui regardes mes vidéos sur ton écran. Oui, toi, j'ai fait 6 parties pendant cet épisode, mais je n'ai pas fait de top 1. Reste bien jusqu'à la fin, j'ai fait un top 2 qui m'a échappé de si près. C'était juste absurde. Alors regarde jusqu'à la fin et n'hésite pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir. Hop. Oh, ça commence direct. Ok, c'est parfait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fall Guys, c'est un petit peu un Battle Royale, mais avec des mini-jeux. Par exemple, TNT Chat, c'est une patate chaude. Le dernier, enfin, les derniers qui ont la patate dans la main explosent et ils sont éliminés. Et le but, c'est de faire le top 1 en survivant à toutes les épreuves. Ou en tout cas, en n'étant pas dernier. Donc là, j'ai refilé la TNT à quelqu'un. Et dans 1 minute 15, elle va exploser. Je tiens à m'excuser aussi pour ma voix. Je suis un peu enrhumé. On est en septembre. Et du coup, ça commence à se ressentir. J'ai très froid. Donc, désolé d'avance si je parle avec le nez des fois. Bon, pour l'instant, on est plutôt tranquille. On peut se balader. Il y a des techniques hein, sur ce jeu. Aïe. Ah, j'arrive pas à le toucher. Bah lui non plus. Il y a une technique, par exemple, c'est de suivre les gens. Hop. Et voilà. On suit les gens avec la TNT et puis à la fin, on les tape. Parce qu'on court beaucoup plus vite qu'eux. Là, on a du speed 2, mais ceux qui ont la TNT en speed 4. Donc, ils vont deux fois plus vite que nous. Alors je suis en 1.15 et le serveur est pas en 1.15, il me semble qu'il est en 1.7 ou 1.8. It was at this moment that he knew. He fucked up. Voilà, c'est ça la technique. Donc ce qui fait que avec les portes, j'ai quelques petits problèmes des fois. Et quand on nage, parce que moi je peux sprinter sous l'eau, sauf que ça me fait des rollbacks et après je reste coincé. Donc parfois c'est avantageux, parfois non. Là c'est un TNT run, tout le monde connaît. Le but c'est de pas faire ce que je viens de faire, un double en plus. Ça va, je suis pas tout seul. Oh non, effectivement je suis pas tout seul. On va avoir un problème, voilà. Alors là le but c'est de pas être dans les 6 derniers. Ça commence très mal. Non, sous mes pieds. Oh non, sous mes pieds. Alors là, c'est plus le moment. Oh, j'ai été qualifié mais j'étais tombé. Ça, c'est plutôt pas mal. Il faut retenir les couleurs et à la fin, il va y avoir une couleur qui s'affiche. Et si on n'est pas sur la bonne couleur, on tombe dans le vide. Et on est éliminé. Donc là c'est de la mémoire et de la précipitation. Donc cyan bleu. Noir, donc cyan bleu noir. Et c'est tout ce qu'il y a comme couleur. Donc on a ces trois là. C'est ça la technique, faut trouver trois qui sont à côté. Cyan bleu c'est ici. Et là personne n'est tombé. GG. Marron, noir, cyan. Marron, noir, cyan. Marron, noir, cyan. Toujours. Marron, noir, cyan, bleu.
ici. Ah, il y a deux personnes qui se sont fait éliminer. Alors, rouge, noir, gris. Gris, noir, rouge. Gris, noir, rouge, bleu. Gris, noir, rouge, bleu. Noir. Et voilà, tout le monde est tombé. Alors, ici, c'est une course avec un demi-cœur. C'est-à-dire que si on prend un dégât, on est... on retourne au prochain checkpoint. Et là, c'est la finale déjà. Il y a un seul qualifié. Donc, faut essayer de ne pas se rater. Je sais pas si on aura l'occasion de mourir pour vous montrer, mais j'aimerais autant ne pas mourir. Oh, c'est de la glace en plus. Oh non! Alors ça, c'est très méchant, parce que j'ai raté le seul bloc qui ne prenait pas de dégâts. Donc, c'est pas mal, on est dernier. Ah! Des fois, c'est injuste. Alors, qui va gagner? Est-ce qu'il y a déjà des joueurs en tête? Oh là là! C'est inapproprié. Ah! Normalement, on prend pas de dégâts de cette hauteur. Des fois, ce jeu est un peu rageant parce que ça calcule que vous devez mourir, mais en fait, non. Pas du tout. Donc, cette fois, on va faire comme ça. On va y aller vraiment doucement. Quoi? Non, là par contre, normalement je prenais aucun dégât. On essaie de pas mourir. Le bloc de verre. Ah bah il a gagné. GG. Ah, alors ça, il faut pousser le plus de monde dehors avec un poisson, la poiscaille. Et plus vous mettez deux gens dehors, plus vous avez de points. Et les ceux qui ont le moins de points sont éliminés. Boum, boum, boum. Donc là, on a de la poiscaille. Et on est deuxième. Ah bah, on n'est plus deuxième. Il y a beaucoup de monde là pour un coach. Ça m'est déjà arrivé qu'on soit genre 8. Et ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me focus. Donc je pouvais littéralement pas revenir sur la plateforme. Donc j'ai été éliminé à cause de lui. Et dans tous les jeux il me focus. Il faut qu'on rattrape Norta. Allez, 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 allez. Allez. On rattrape. On rattrape toujours plus. Il y en a un qui vole. Cheater. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Si on pouvait être dans le top 3, ce serait magnifique. J'ai jamais été dans le top 3. Ah, on a été qualifié au moins. Bon, encore la course à un demi-cœur. Alors, cette map est très chiante parce que là, il y a beaucoup de monde et il y a des minecart. Si vous touchez le minecart, vous mourrez. Sauf que tout le monde fait bouger le minecart. Du coup, visuellement, il est là. Mais par contre, physiquement, vous saviez pas où il est. Il est vraiment invisible. Donc, bah, c'est au petit bonheur à chance. Ah, les gâteaux. Alors là... Oh non! J'ai oublié qu'il fallait sauter. En même temps, c'est du jump. 15 qualifiés. Ça peut le faire, on peut réussir si j'arrête de me foirer comme ça. Oh là 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 là, c'est horrible. Pourquoi je fais pas comme d'habitude? Alors là, je crois qu'on est premier, hein. Il y a moyen. Ah non, c'était pas cette map avec les minecart.
Heureusement. Ah bah on était premier. On ne l'est plus. C'est la map des gâteaux. Quoi, mais... Ah, j'arrive pas. Je descends trop vite. Alors, ici, ça craint rien. Ici, voilà. Alors là, il faut aller ici. Ah non! Non, non, non! Si je me fais éliminer comme ça... Ah non, 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 non! Je crois que les gens peuvent nous pousser. Ah non. Ok, top 5. Alors, nous avons de ce côté le joueur Mirax qui attend ses congénères Red qui n'a pas attendu pour passer. Link qui était AFK et qui regarde Mirax droit dans les yeux. Nous avons Leki. On ne sait pas ce qu'elle fait. Elle est prise dans une toile d'araignée. Tous ses partenaires la suivent. Je crois qu'elle lag beaucoup. Il ne reste plus que 3 places pour passer. Pour tenter d'accéder à la finale. Une personne qui vient de se crasher. Nous avons Kirito qui est en train de passer. Allez Kirito, tu es le dernier. On compte sur toi, ne meurs pas maintenant. Et c'est la victoire pour Kirito qui nous fait gagner cette manche. Alors, Dropper. Je me demandais pourquoi on voyait pas mon bras, mais c'est parce qu'on est invisible. Alors normalement si on se met ici, il y a moyen d'accéder facilement comme ça. Et voilà. Oh, top 2. Presque. Oups, alors j'ai fait une bêtise. Voilà. KB, et c'est la finale. Alors ça va être compliqué en 1v1 en KB, très compliqué. De 1, il faut qu'on tente de faire le top 1. Est-ce que je suis suivi? Non, ils sont tous ensemble. On va essayer de les attendre quelque part. Ils sont tous au milieu, je vais essayer d'en prendre un. Ah! Plus que deux. Oh mon dieu! La chance! Allez! La finale. L'attente attendue. Ah, est-ce qu'il va tomber? Oh non! C'est moi qui suis tombé! GG, si près du but. Non, non, non. Je dis non. Oh là là, si près. Eh bien les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. On n'aura pas fait top 1, mais un top 2, c'est déjà pas mal. Salut.